Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je veux prendre un instant pour reconnaître tous ceux qui ont été touchés par les feux de forêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça survient pendant une période qui était déjà difficile. On pense à vous et à tous les pompiers, les premiers intervenants qui travaillent fort pour contenir les feux et protéger les gens. Merci. Although this has been a very tough few months, for many people it's starting to feel like we've turned a corner. Businesses are reopening their doors to serve their communities. Employers are putting new precautions in place to keep people safe. And right across the country, business owners are using the wage subsidy to get back on their feet and rehire their employees. By using this benefit, employers have helped 2.6 million Canadians stay in the workplace. These are jobs that people rely on to pay their bills and to put food on the table, jobs that matter to Canadians and to their families. Take roamers in Vancouver and Port Moody. They used the wage subsidy to rehire over 150 employees and reopen their 3 neighborhood restaurants. Or Enable Education in Milton, who applied for the benefit and were able to keep a team of 18 people employed and busy. And that's what this program is all about. But even as things start to improve for many people, we also have to remember that some industries have been hit harder than others. And if you work in one of those sectors, it might take longer to find a job. In the coming weeks, we want you to be able to focus on finding work, not be worrying about your benefits. So, as I announced on Tuesday, we are extending the CERB by 2 months. This help will continue to be there for you and your family. Au cours des derniers mois, on a mis en place toute une série de programmes pour aider les Canadiens à traverser cette période difficile. Depuis le tout début, on a dit qu'à mesure que la situation évoluerait, notre réponse évoluerait avec elle. On a donc décidé de prolonger la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale d'urgence. On comprend les défis auxquels les gens sont confrontés et on veut leur donner assez de temps pour trouver du travail. Bien sûr, ce n'est pas toujours simple de retourner travailler. Beaucoup d'entreprises doivent transformer leur façon de faire pour pouvoir rouvrir leurs portes. Si vous avez des questions au sujet des procédures et des mesures à respecter pendant la reprise, on met plusieurs ressources à votre disposition. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail vient tout juste de publier sur son site Web des fiches d'information sur la santé publique qui sont une excellente source de renseignements. Il a également lancé un portail en ligne où les entreprises peuvent partager leur expérience et des pratiques exemplaires, que ce soit des trucs pour désinfecter les lieux de travail ou des conseils pour le port du masque. On a beaucoup de chemin à parcourir dans les prochains mois, mais en travaillant ensemble, gouvernement, entreprises et citoyens, on va passer à travers. With businesses retooling their operations to produce hand sanitizer and people finding creative ways to stay safe, the last few months have shown us the power of thinking outside the box. Going forward, that will serve us very well. Because finding new ways of doing things and collaborating between sectors yields great results. In fact, for tech and agriculture, we've already seen that potential in action. As people around the world start eating more plant-based products, we have an opportunity to bring together Canadian innovation and Canadian crops, and a chance to create good, well-paying jobs. We've already invested in this space with the Prairies-based Protein Industries Supercluster, supporting thousands of jobs. But this industry is growing fast, so we're not stopping there. Today, I can announce that our government is contributing almost $100 million for the new Merit Functional Foods location in Winnipeg. This facility will be a world leader in plant-based proteins and will create good jobs in a fast-growing field. And by using 100% Canadian inputs, it will also support farmers who produce the canola and yellow peas used in Merit's products. Standing up for hard-working farmers, creating good jobs, setting up Canada for success on the world stage, these are things that our government will always get behind.
Je terminais ce matin en parlant des démarches que le Canada entreprend sur la scène mondiale. La pandémie a révélé les écarts qui persistent et qui nuisent encore à beaucoup trop de gens à travers le monde. Bien entendu, pour un grand nombre de femmes et de filles, les inégalités en matière de soins de santé n'ont rien de nouveau. C'est une réalité qu'elles vivent au quotidien. Encore aujourd'hui, les femmes et les filles doivent se battre pour obtenir des soins de base et meurent de maladies qu'on peut prévenir. Et trop souvent, le droit des femmes de prendre des décisions concernant leur propre corps est remis en question. Depuis notre arrivée au pouvoir, on place l'égalité des sexes au cœur de tout ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Ce matin, la ministre Gould participe à la conférence « She Decides Now » et annonce que notre gouvernement va investir près de 94 millions de dollars pour appuyer la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles les plus vulnérables du monde. Ces fonds vont permettre d'offrir un éventail de services, qu'il s'agisse d'aider les sages-femmes professionnelles et certifiées en Somalie ou de contrer la violence fondée sur le sexe dans les camps de réfugiés Rohingyas. If this pandemic has been an unprecedented challenge for our country, it has also been an important opportunity to figure out what really matters in our communities, to have meaningful conversations about how we can take care of those around us, and perhaps, above all, to think about what kind of future we want to build together. We have the chance to shape our country and our world for the better, and I know that we're up to that task. Merci.